justement de ces tutos pratiques. Donc, comme indiqué dans le titre, j'ai donc créé ma chaîne communautaire. Du moins, ça en était déjà une. J'avais déjà créé cette chaîne avant, donc c'est Monsieur Tutoriel. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai déjà deux chaînes à gérer, à faire des vidéos, donc c'est déjà pas mal. Donc, je me suis dit pourquoi pas que ma troisième chaîne soit une chaîne communautaire. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai déjà fait moi deux vidéos, puis c'est après, quelques temps après, que je me suis dit que je pouvais en faire une chaîne communautaire. Donc pour l'instant, il n'y a que deux vidéos de moi-même. Il vous suffit juste, donc si vous avez envie de, je sais pas, si vous avez, donc la bannière, j'ai faite, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, j'ai fait le 28, le 28 octobre. Le soir, j'ai pris 2 heures et demie pour la faire. Donc 2 heures et des poussières, voilà. Donc voilà, la bannière a été faite. Donc je précise que c'est Astuces et Maker, c'est-à-dire des astuces de Windows, des navigateurs Windows, tous les Windows. Non, que Windows 7 et Windows 8. Donc tout est écrit là. Donc je salue tout le monde dans cette chaîne communautaire. J'accepte les tutoriels Astuces pour Windows 7, les astuces pour Windows 8, les navigateurs Internet. J'accepte aussi des tutoriels sur le graphisme. Donc c'est bien entendu décrit ici. Maker, tout ce qui est Maker, que ce soit traitement de texte, que ce soit n'importe quoi dans le Maker, j'accepte. Je peux accepter, je peux être, je peux laisser passer quelques, mais je dis bien quelques, je précise pas parce que c'est bien quelques cracks. Quelques vidéos crack, pas toutes. Donc, si vous en avez, envoyez-les moi dans cette adresse. Donc, je vous mettrai le lien de cette chaîne dans la description. Vous avez juste à regarder cette chaîne, hein, aller voir dans la présentation. Donc, là, j'indique mon adresse email. Et vous avez aussi, vous pouvez aussi me les envoyer sur YouTube. C'est-à-dire, dans les messages. Vous savez comment on fait, je sais pas. Je vais vous montrer donc. Vous allez dans gestionnaire de vidéos par exemple. Ensuite, vous allez dans boîte de réception. Vous allez dans message personnel. Enfin, vous prenez la personne par exemple. Je sais pas, je vais prendre ma chaîne tuto pratique. Voilà, comme ça, je vais vous montrer cet exemple sur cette chaîne. Donc voilà, par exemple, si vous avez envie de m'écrire, donc m'envoyer votre vidéo. Donc vous allez donc sur Monsieur Tutoriel. Vous allez dans présentation. Ensuite, vous allez dans envoyer un message. Là, vous mettez l'objet, le titre de votre vidéo, par exemple. Ou recrutement pour prochaine communautaire, un truc comme ça. Voilà. Et là, vous allez dans vos vidéos, joindre une vidéo. Et vous choisissez votre vidéo qui est là. Vous faites envoyer un message. Vous ne l'envoyez pas tuto pratique, hein. Vous l'envoyez bien à TV Monsieur Tutoriel. D'accord? Voilà, donc écoutez, c'était tout pour cette annonce. Voilà, donc oui, donc je suis assez, on va dire, assez exigeant pour la qualité de l'image et tout. Donc je veux une 420p parce que de 300, enfin après c'est pas, c'est illisible, donc 320p minimum. Il faut que la personne parle bien, pas qu'elle parle comme ça. Par exemple, bonjour à tous. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer en fait une astuce. Voilà, voilà. Je veux vraiment quelque chose de bien où la personne est soignée, qu'elle parle bien, que ce soit pas voilà du travail bâclé. Voilà, que je comprenne ce que vous dites dans le tuto et que ce soit voilà, qu'il y ait un audio. Je veux pas de musique. Que voilà, il faut que vous parlez. Il faut que aussi avoir au moins 15 likes sur votre vidéo quand même. Voilà, parce que sinon c'est pas la peine, ça veut dire que votre vidéo est nulle, on va dire, si vous n'avez pas au moins 15 likes. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en envoyer. Je verrai moi si c'est des cracks, vous aurez peut-être parfois des réponses négatives ou des réponses affirmatives, ça dépend si le crack me convient, si le crack ne risque pas trop de mettre des strikes sur la chaîne YouTube. Et s'il est bien fait, si tous les liens qu'il y a dans cette vidéo sont disponibles, j'ai tout vérifié. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps pour que je vous réponde, mais je vous répondrai. Voilà. Donc voilà. Le graphisme, tous les logiciels, Photoshop, After, tout, dans le graphisme. Sur Windows, et tu travailles sur Windows 7 et Windows 8. Si c'est Windows XP ou Windows Vista, je n'accepterai pas. Si le tutoriel, par contre, si le tutoriel, je précise, si le tutoriel, par exemple, sur Firefox,
Si vous parlez de Firefox, que c'est fait sur Vista ou XP, j'accepterai. Mais si c'est une astuce de Windows XP ou Windows Vista, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Voilà. Il faut juste que ce soit Windows 7 ou Windows 8. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Même les cracks, hein. Si les cracks se passent sur Windows XP ou Windows Vista, j'accepterai. Voilà. Windows XP, je n'accepterai pas les cracks. S'il y a des cracks, par exemple, sur Windows XP, je n'accepterai pas. Et bon, Windows XP, plus personne là, presque. Donc voilà, écoutez, bah, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel, hein, cette annonce, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne communautaire. Et puis voilà, donc envoyez-moi vos vidéos, n'hésitez pas. Et puis voilà, allez, ciao, ciao les gens.